Hello tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc je vais changer un peu le principe de la chaîne. Aujourd'hui on va parler de l'équipe de France féminine. Bah oui, il faut bien, j'ai pas vraiment le choix, hein. Hier c'était le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Bon. J'espère que comme moi vous avez été super heureux de voir ce match, vous étiez super contents, vous aviez presque les larmes aux yeux pendant la cérémonie d'ouverture, parce que c'est en France et que c'est super! Bon, Myriam, on s'en fiche. Donc voilà, ce match, ben sincèrement, je crois que les filles ont géré parfaitement. Alors là, moi, pour une fois, je vois rien à dire. La deuxième mi-temps, peut-être un petit peu plus déçue côté français quand même, on peut le dire, hein, que je pense qu'elles avaient baissé un peu le pied sur cette deuxième mi-temps, nos lyonnaises. Ouh là là, moi, faut que je quitte l'OL là, nos françaises. Donc voilà, c'est vrai que c'était un très très beau match. Voilà, bien sûr. Et je tiens à le dire, donc je vais rajouter un petit mot parce que là je vais faire ma supportrice lyonnaise à fond. Donc nos 7 lyonnaises titulaires hier, hein, les habituelles on va dire, Sarah, Amel, Wendy, Gridge, Amandine, Eugénie, Delphine, je crois que j'ai oublié personne. Bon, voilà toutes nos lyonnaises. Bon, Emeline Laurent qui était sur le banc, je pensais qu'elle allait rentrer à la place de Delphine en fin de match, ça n'a pas été le cas, c'est Valérie Gauvin qui est rentrée. Donc une inversion de poste, donc Diani a filé sur le côté droit pour que Gauvin prenne sa place en pointe. Voilà, nos 7 Lyonnaises étaient sur le terrain. Et les 4 buts sont inscrits par des Lyonnaises. Je tiens encore une fois à le dire. Hein. Le premier bah, par notre super magicienne de pied, Eugénie Le Sommer. But comme elle sait très bien les mettre et je pense que ça lui a fait plaisir. Un doublé de Wendy, hein. Captain Wendy. Qui était en feu hier soir, je crois. Et puis pour finir, Amandine Henry. On peut marquer le but refusé à Gridge aussi. Hein, alors Gridge, elle essaie de nous faire des trucs acrobatiques hier. Elle a tenté le ciseau, retourné. Ça n'a pas marché. Hein, le ballon, il est parti comme ça, mais c'était très bien tenté. Elle nous a fait un peu rêver, Gridge, hier. Ça a fait plaisir. Delphine Cascarino, qui a été très parfaite sur son jeu de jambes, comme d'habitude. Magerie, qui n'a pas eu beaucoup de ballons, donc elle n'a pas pu s'illustrer très bien. Un duo Torrent-Cascarino qui a très bien marché. Magerie et Le Sommer, elles ont eu du mal à se trouver hier. Bon, on verra à la suite ce que ça va donner, mais voilà, un très très beau jeu. Bussaglia qui nous a sauvé, qui a pris quelques risques à certains moments pour éviter les contre-attaques coréennes, qui reprenaient surtout la place de Wendy quand Wendy montait sur les coups de pied arrêtés. Donc voilà, moi j'ai rien d'autre à dire, je vous laisse avec les buts, je vais essayer de vous mettre. Le but refusé à Gridge pour hors-jeu. Et puis sur ce, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.